Ben, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur YouTube. Premièrement, ce que je veux vous montrer, c'est un petit peu comment ça marche le YouTube, les options qu'on a, surtout pour les gens qui ont une chaîne. Je vais commencer par présenter la barre ici. excusez-moi, je vais aller vous montrer un petit peu ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vous montrer. C'est pas mal ça, parcourir les chaînes. C'est ça pour le planning dans le fond. Je vous montrerai aussi comment mettre une vidéo. Alors, comment ça marche? Premièrement, quand vous rentrez sur YouTube, pour aller sur YouTube, ben, c'est simple, c'est youtube.com. Si vous n'êtes pas sur YouTube, vous regardez ça sur Facebook, Twitter, ben vous le saurez. Alors, vous avez vos abonnements ici qui représentent ici. Alors, si exemple, vous êtes abonné à ma chaîne, ben quand je sors une vidéo, elle sort ici. Comme vous pouvez voir, Cyprien, il vient de ressortir une nouvelle vidéo. Mes abonnements, dans le fond. Pas tous mes abonnements, regardez comme exemple, si Hugo tout seul, lui, c'est un grand YouTuber, il s'est abonné à une chaîne, ben on le voit. Ah, on peut s'abonner. Ou si, exemple, cherche un exemple, a publié un commentaire ici. Ah, on le voit. Aime une vidéo, on le voit. Tout ça. C'est ici que ça se passe. Alors, premièrement, ça, c'est ma chaîne. C'est vraiment, dans le fond, c'est ce que vous pouvez retrouver ici. La home page. Dans le fond, ce qu'on a aimé, ce qu'on a écouté, ce qu'on a commenté. Les vidéos. C'est toutes mes vidéos. La discussion qu'on a avec des gens. Ce que vous pouvez savoir à propos de moi. Et c'est tout. Pour recherche sur la chaîne, une de mes vidéos exemple. À regarder plus tard, c'est des vidéos que vous avez mis quand vous écoutez une vidéo que je vous montrerai tantôt. Vous pouvez, exemple, sur YouTube, DJ Blend, exemple. Attendez. Exemple, je mets ça comme ça. On fait. Attendez, là j'ai un blanc de mémoire. C'est niaiseux. Ajouter à vidéo de favoris à regarder plus tard. C'est privé pour moi. Vidéo de favoris, on peut mettre plein de choses. Alors, si on fait refresh, on va avoir DJ Blend. Pour le supprimer, on coche supprimer. Alors, après, on a l'historique des visionnements que moi j'ai bloqué parce que ça m'intéressait pas de toujours aller revoir. On pouvait réactiver si on veut. Mettre en pause l'historique de vos vidéos, c'est bien ça. La liste de lecture, c'est les vidéos que j'ai regardées. Liste de lecture, dans le fond, Swagfag, c'est une vidéo. Canve, dans le fond, c'est des listes que j'ai faites. Pas plus compliqué que ça. Les messages, c'est les messages que j'ai reçus sur ma chaîne. Les messages que quelqu'un peut m'avoir répondu. Dans le fond, c'est tout ce qu'on envoie à quelqu'un, ce qu'on. Messages personnels, c'est les messages, dans le fond, les MP. L'MP qui dit. Vidéo partagée avec vous. Il n'y a pas de message dans ce dossier. Dans le fond, c'est des vidéos que les gens voudraient partager avec moi. Commentaires écrits, c'est des commentaires. Notification de contact. C'est notification, dans le fond. Message envoyé et carnet d'adresse. On recule. C'est pas bien compliqué, comme vous pouvez voir là. Oups. Mes abonnements, comme ici on peut voir toutes les personnes à qui je suis abonné. Toutes les activités. Gérer 39 abonnements. C'est ça, dans le fond. C'est ce qu'il y a ici. Les réseaux sociaux.
C'est si on voudrait associer un Facebook. Ce que je vais faire futurement, associer un Facebook et un Twitter à notre chaîne YouTube. Ici, c'est les personnes qu'on est abonné, comme si je fais iPierre, ben ça me sort direct iPierre. Parcourir les chaînes, ben c'est pour parcourir les chaînes, pour ajouter des chaînes. Alors c'est des chaînes recommandées par YouTube, des trucs comme ça. Alors tout ça, shut up cartoons et tout dans le fond. Gérer vos abonnements. Dans le fond ici c'est pour mettons action, se désabonner. Mais moi je le ferai pas. Alors c'est ça pas mal pour la barre ici que je vous ai tout présenté. Bah dans le fond ici ça ressemble beaucoup. Ma chaîne dans le fond c'est ce qu'on a vu tantôt. Quelque part ici là. Ici dans le fond quand on cliquait Tito Blais, ça l'apportait ici, dans le fond c'est la même chose. Gestionnaire de vidéo, bah c'est pour supprimer des trucs dans mes vidéos. Les abonnements, ben c'est dans le fond la barre ici, ça représente beaucoup ici. Les abonnements, ben c'est les personnes à qui je suis abonné. Les paramètres YouTube, ben c'est tous mes trucs. Le profil, ben c'est mon profil, profil Google Plus. Alors Google Plus ça m'apporte à la même place. Confidentialité, ben ça c'est les trucs si on veut mettre des trucs privés, des trucs c'est ça, des comptes, sécurité, Google Plus, produits, tout ça dans le fond, sur tout ce qui a rapport avec Google Plus. Paramètres. Ben, c'est pour paramétrer ma chaîne un petit peu. Autre langage, on peut ajouter un autre langage, outils d'entrée, modifier la photo de profil. Tout ça, dans le fond, vraiment tous les paramètres possibles. Alors ici, on peut déconnecter ou changer de compte. Ensuite, ici, on a les favoris à regarder plus tard, contenu que vous avez aimé. Et ça, c'est mes deux listes de lecture. Alors, c'est pas mal ça. Dans le fond, pour c'est pas vraiment compliqué à comprendre. C'est très simple même, que je dirais. Je sais pas si vous allez trouver ça. J'espère que vous avez trouvé que c'était précis ma vidéo. Maintenant, il me reste juste à vous montrer ça. Alors, on clique pour ajouter une vidéo. On clique ajouter une vidéo. Ici, logiquement, là, je vois pas vraiment à quoi ça servirait de le mettre privé. Ou je sais pas vraiment. Pourquoi quelqu'un mettrait ça privé? Ça serait-tu pour les avoir sur tous ses ordis? Il aime une vidéo, il veut mettre une vidéo, il veut la montrer à sa famille, il le met privé pour pas que les autres le voient, puis je sais pas. J'ai aucune idée. Pour mettre les vidéos, c'est pas compliqué. On cherche une vidéo. Comme moi ici, j'ai mon QuickCraft que je viens juste de faire. Ici, bah, le titre. Moi, je vais marquer serveur de iPixel en Quick Craft. Là, je fais le IP. Contrôle V. Et je marque un petit mot. Désolé. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant de lag. Alors c'est ça. La balise ici, c'est exemple Minecraft, Enter, Mine, Enter, Craft, Enter, Tito, Enter, Blais, Enter, Tito, Blais, c'est ouais, c'est Enter. Alors bah, bon, je marque des mots. iPixel, Quake, Craft. Quake Craft
Alors, plus vous en mettez de mots, mettez des mots qui ont rapport. Par exemple, tu sais, si vous mettez rose, la personne marque rose, elle n'ira pas nécessairement voir votre vidéo parce que ça n'a pas vraiment rapport. Il va pas voir l'utilité. Alors, ça va juste vous baisser encore plus. Ça va pas vous aider. Alors, c'est ça pour le tuto. Je vous ai tout montré. Si vous voulez ajouter une nouvelle vidéo, faites ça ici. Plus ajouter, annuler. Et vous savez où que ça va être publié. Pour le moment, exemple, il n'est pas encore publié. Mais quand je vais voir que c'est publié, j'aurai juste à faire refresh. Puis ça va être publié. Alors, ben, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez j'aime. Si vous voulez dislike, pas de problème, je serai pas choqué après vous. Juste me dire pourquoi. Parce que sinon, ça sert à rien de disliker, là. Faites juste pas écouter ma vidéo si vous voulez pas. Tu sais, je suis nouveau dans YouTube, fait que il y a des choses, c'est sûr, que je fais pas correct. Alors, dites-moi ce que je fais pas correct, puis je vais m'améliorer. Alors, ben, merci beaucoup à tous ceux qui vont cliquer j'aime, à tous ceux qui vont disliker, mais mettre un commentaire. Si vous faites juste disliker, c'est inutile, je trouve, là, ça sert à rien. Puis, ben, c'est ça. Alors, ben, merci à tout le monde d'avoir écouté ma vidéo, puis j'espère beaucoup que ça va vous être utile. Bye, là.